développement durable, c'est quoi? C'est faire attention à la nature, à son environnement, mais aussi à sa façon de consommer. On ne sait pas toujours par où commencer, on n'a pas toujours les outils pour le faire. On se rend compte que les enfants sont un très bon vecteur de communication parce qu'ils apprennent très vite et ils transmettent facilement ce qu'ils ont appris chez eux, en famille. Le rôle principal des Franca de Haute-Marne, c'est de gérer des centres de loisirs dans lesquels on fait passer les règles du vivre ensemble et de la citoyenneté. On a 12 centres de loisirs sur le département. Nous accueillons plus de 500 enfants par an, de 3 à 16 ans. Le but, c'est que les enfants s'amusent, mais aussi qu'ils apprennent des choses, dont la sensibilisation à l'écologie. Le centre de loisirs de Saint-Roch est situé au milieu des bois, ce qui nous permet de faire des sorties en forêt pour sensibiliser les enfants à la préservation de la nature, repérer les espèces qui peuvent y vivre, repérer les types d'arbres, repérer les petits éléments naturels importants. Nous organisons également des formations pour les futurs animateurs et futurs directeurs de centres de loisirs. Nous sommes dans un département rural et on n'a pas la possibilité de toucher tous les enfants. L'un de nos derniers projets, ça a été l'écolobus qui nous permet de nous déplacer dans différents villages du département et de pouvoir sensibiliser les enfants à la préservation de la nature. L'écolobus a parcouru 20 communes durant l'été et a accueilli environ 150 enfants. Les activités ont été principalement la fabrication de divers produits ménagers faits à partir de produits naturels. Les Franca contribuent à l'éducation des enfants en lien avec l'école et leur famille. Ah, les enfants adorent venir ici, adorent aller en forêt. Ils construisent des cabanes, ils font attention à ce qu'il y a autour. Ils râlent quand ils trouvent des déchets, ils les ramassent. On leur apprend à devenir les citoyens de demain. Les enfants nous disent que lorsqu'ils fréquentent nos centres, ils sont heureux, ils apprennent des choses et ils participent à des moments qu'ils ne vivraient nulle part ailleurs. Ça nous rend fiers, fiers et heureux. De les ouvrir au monde et à tout ce qui les entoure. Tous nos projets sont bien résumés dans le slogan de notre association, les Franca, l'éducation en mouvement.